Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo boîte aux lettres juste énormissime. Vous l'avez vu dans la miniature, j'ai été débordée de colis et je vais pas me plaindre hein. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo avec tout ce que j'ai reçu parce que je suis obligée et ça me fait plaisir aussi de vous partager ça. J'ai reçu déjà une petite enveloppe de ma copine Mylène qui m'a envoyé, trop sympa, hein, je vous montre ça. Dans sa petite enveloppe, il y avait plein de petits chocobons. Donc, elle a compris que j'étais une gourmande, ça, là. Et elle m'a envoyé un échantillon du mascara de chez Guerlain. Donc ça, je vais tester avec plaisir. Et surtout, les nouveaux, comment ils s'appellent, c'est les livres Calendar Girl qui sortent tous les mois. Donc, il y a le mois de janvier et le mois de février. Et j'avais mis une petite photo sur Snap en disant que je voulais, j'hésitais à les prendre, en fait, à la FNAC. Mais du coup, elle a été super sympa, elle me les a prêtées, donc elle me les a envoyées. Je vais les lire et je vais lui renvoyer. Et puis, je pense que j'achèterai le mois de mars et le mois d'avril. Et puis, comme ça, je lui ferai pareil. Enfin, on verra ensemble. Mais voilà, c'est un petit échange, c'est super sympa. Donc, je vais les lire, je vous en reparlerai parce que si c'est vraiment ça vaut le coup, il paraît que c'est juste génial. Donc ça, j'ai hâte et je vous en reparlerai. J'ai reçu aussi une petite enveloppe d'une abonnée, comme ça, une petite enveloppe de chez Action, de Soumia qui m'a envoyé. Alors elle voulait m'envoyer une petite lettre et en fait elle m'a envoyé plein de petites choses. Donc je vous montre ça. Je vais garder bien sûr précieusement son adresse pour lui répondre. Je vais essayer de lui envoyer des petites choses aussi, mais sachez que quand vous m'envoyez des petites choses comme ça, ça me fait vraiment plaisir. Mais je peux pas répondre à tout le monde et renvoyer plein de choses à tout le monde. Donc, mais ça me fait plaisir. Donc elle m'a mis des produits, je pense qu'elle n'utilise pas. Donc il y a un mascara de chez MAC, le False Lashes Extreme Black, donc une miniature comme ceci, et un Revlon Color Stay New York Chroma, donc c'est un rouge à lèvres un peu marron, donc ça c'est plutôt cool parce que j'aime beaucoup les marrons, donc je vais tester avec plaisir. D'ailleurs pour celles qui n'ont pas vu, le rouge à lèvres que j'ai là qui est juste sublime, et le vernis que j'ai qui est juste sublime, je vous invite à aller voir ma vidéo haul beauté, Sephora, craquage, aussi avec un peu de scrap aussi pour celles qui aiment. Donc je vous mets le petit lien ici, mais voilà, du coup il y aura la référence dans mon autre vidéo. Elle m'a mis un petit pochon comme ça avec des petites pinces. Alors ça, je pense pas que je m'en servirai parce que c'est pas trop mes couleurs, des petites pinces comme ceci, même dans mes créations tout ça, je m'en servirai pas. Mais elle a mis aussi un petit rouge à lèvres que je pense qu'elle ne se sert pas, donc de la couleur Coolcos. Je ne connais pas Coolcos, la teinte 27, et c'est un nude. Un très joli nude comme ça, donc je testerai avec plaisir. Donc c'est trop mignon d'avoir pensé à moi. Elle m'a mis un autre petit sachet comme ça avec des petites étoiles, des petits canards, des petites choses, du gold, des petits trucs pour bébé 2, donc ça c'est sympa. Des petits échantillons, des petites découpes. Je sais pas d'ailleurs où elle les a eues, ces petites découpes-là, peut-être à Action, je sais pas. Elle m'a fait une jolie lettre. Donc ça m'a fait vraiment plaisir, sa petite carte qui est très jolie d'ailleurs. Et il y avait plein de petits papiers. Alors je vous montre ça, mais je ne vais pas vous montrer tout en détail. Une petite lime à ongles en forme de papillon, ça c'est trop mignon. Vraiment plein de petites découpes, vous voyez des petites découpes comme ça. Je ne sais pas du tout si ça vient d'Action ou pas, mais trop mignon. Une petite carte comme ça, vierge. Une autre. Et puis des papiers. Voilà, des fonds de papier. Et surtout ça c'était super cool. Elle m'a mis aussi les lettres, je crois que ça vient de chez Ziman, oui. Alors moi je les ai jamais vus dans mon Ziman, mais je suis super contente avec du gold et du argenté. Donc voici pour ces petits découpes et un petit cadeau. Donc ça c'est mignon, je voulais l'ouvrir avec vous parce que je trouve que c'est super sympa. Donc je te répondrai très très prochainement, ma petite Soumia. Alors voyons voir. C'est un petit carnet je pense, c'est trop mignon. Il est trop beau et c'est un petit notebook, voilà. Alors je sais pas d'où il vient, mais il est trop beau. Comme ça, un peu automnal. J'aime beaucoup, beaucoup le style. Vraiment trop joli. Avec, vous savez, en plus une petite scratch et tout. J'adore. Bah écoute, merci, merci Soumia. Je te répondrai très prochainement. Ça c'était. Oula. Ça c'était dans ma boîte aux lettres. Au niveau produits de beauté, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu aussi deux produits qui vont un petit peu ensemble, on peut dire, hein. Un produit de chez Clinique qui est le Beyond Perfecting, donc un espèce de fond de teint et en même temps correcteur, deux en un. J'ai pris la teinte neutrale, numéro 9, mais malheureusement, ce n'est pas ma teinte. Il est beaucoup. En fait, neutral, je me suis dit que ça allait être une couleur assez neutre, assez passe-partout, mais en fait,
Je sais pas si vous verrez, mais il est vraiment beaucoup trop foncé. Et je pense que même bronzé, je suis pas sûre que ça m'aille. Ah, peut-être si je bronze beaucoup, je sais pas, je verrai cet été. En tout cas, je vais tenter de vous faire des petites astuces pour les fonds de teint trop foncés. Je vais essayer de trouver un petit peu des petites astuces. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais je vais essayer de voir ça. Si une vidéo un peu dans ce style, genre mon fond de teint est trop foncé, qu'est-ce que je fais? Je vais pas le jeter, je vais pas le donner, je vais pas le vendre. J'aimerais bien quand même le tester parce que il a une sorte d'embout, comme un embout de gloss, voilà, il est comme ça et la texture est assez épaisse en même temps malléable, donc j'avais vraiment envie de le tester, donc je vais voir comment je peux faire, vu qu'il est beaucoup trop foncé pour moi, ça sert à rien, mais je vais voir comment je peux faire. Donc si vous voulez une vidéo avec les astuces pour rendre votre fond de teint plus clair, même si je sais qu'il y a le petit truc de chez Jo Body Shop qui l'éclaircit, mais j'ai pas envie d'investir pour l'instant, donc soit j'essaye de trouver des solutions sans payer de nouveaux produits, soit sinon finalement j'irai voir le truc de chez The Body Shop. En attendant, voilà, c'est la nouveauté de chez Clinique et je trouve ça pas mal le fait que ça fasse anti-cerne et fond de teint, donc c'est pour ça que ça me plaisait bien. Et puis chez Sephora, ils ont une nouvelle éponge. Alors je sais que en solde, il y avait leurs anciennes éponges qui étaient soldées, je l'ai pas pris, j'ai hésité en plus. Là, c'est les nouvelles éponges Teint Perfection. Donc je pense que je vous l'utiliserai dans une vidéo crash test comme la dernière fois, ça vous avait pas mal plu. Où je me maquille avec vous, puis du coup j'utilise des nouveaux produits, des nouvelles choses, et je pense que j'utiliserai parce que ma Beauty Blender est vraiment sur sa fin, et du coup bah c'est l'occasion de la tester. Je vous mets tous les liens à chaque fois dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller jeter les plus. Colis aussi, alors les autres je les avais ouverts avant, parce que je les avais reçus hier ou avant-hier. Alors celui-ci, oula, bien enveloppé, bien emmitouflé. Avec un joli papier, oh c'est trop beau, un joli papier de soie comme ça, des protections, et c'est quoi? Ah c'est un parfum de la marque Anna et Mori, super. Chère Karine, je te souhaite une très agréable découverte olfactive de la part de Jessica, et c'est le Anna et Mori, l'eau de parfum. J'avais hâte de tester ce parfum en plus, je suis trop contente. Là, regardez-moi le packaging. Il est trop joli, avec la petite fleur là. Et alors c'est difficile de choisir des parfums sur internet, du coup je me suis fiée un peu aux descriptions, mais ça avait l'air fleuri en même temps sucré. Oh mon dieu, mais ça sent trop bon. Oh là, mais c'est hyper printanier, c'est super frais. Ah mais c'est une tuerie. Ce truc c'est une tuerie, il sent trop bon. Ça me rappelle un parfum d'ailleurs hyper connu, mais je sais pas lequel. Donc, belle découverte, Anna et Mori. Je vais l'utiliser tout de suite, je vais le mettre dans ma salle de bain. Et je vous mets tous les liens, pareil, en barre d'infos. S'il y a des codes promo, des choses comme ça, si ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos. Mais voilà, belle découverte. Je vous en reparlerai sûrement dans des prochaines vidéos. D'ailleurs, j'ai remarqué que les vidéos flop, 5 flop, 5 top, vous avez plu. Donc ça me fait très plaisir de voir ça. Donc ça, c'est cool. Ensuite, sur Beauté Privée, bientôt vous allez pouvoir retrouver très prochainement, donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, la marque OGX, et je suis super contente de pouvoir enfin tester cette marque là. J'en ai tellement entendu parler, il y avait la gamme Argan, etc. Il y a pas mal de gammes avec selon votre type de cheveux, selon ce que vous avez envie. Moi j'ai choisi la gamme Coconut Milk. Alors il y a le shampoing et l'après-shampoing, et j'avais hâte de les tester. Donc c'est une marque, alors je sais pas si la compo est top, je crois que vous pouvez la trouver aussi chez Monoprix, mais je suis pas sûre. En tout cas sur Beauté Privée, elle arrive là très prochainement à moindre coût. Ça sent super bon la noix de coco. C'est hyper doux, je pense que je vais adorer l'utiliser, donc j'ai hâte de mettre ça dans ma salle de bain, parce que là je suis en train de finir ma gamme de chez Bloom, que j'aime beaucoup, mais j'aime bien changer pour mes cheveux, donc là je suis super contente. D'ailleurs je vais aller me renseigner un petit peu sur cette marque là pour voir, ou aller même voir sur le site Beauté Privée, voir s'ils font aussi les masques, etc. pour le cheveu, parce que moi j'aime bien avoir aussi les masques qui vont avec, ou les soins sans rachage, les choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé cette marque-là, OGX, et bah, ce que vous en avez pensé, parce que je sais que les avis sont assez mitigés, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je garde le meilleur pour la fin, parce qu'après, il y a un truc de fou qui arrive juste après.
Ensuite, j'ai reçu plein de produits que vous allez pouvoir gagner aussi. Et ça, je suis super contente de vous en parler. Donc, toujours pour les cheveux, j'ai reçu une gamme de chez Garnier. Vous savez que je suis fan des produits cheveux Garnier. Et là, c'est leur nouveauté à la crème d'avoine. Donc, j'ai reçu le shampoing et l'après-shampoing, si je me trompe pas. Pas du tout. Alors, attendez, je cherche. Ah si, c'est ça. Alors, je vous montre. J'ai reçu le shampoing et l'après-shampoing de chez Garnier. Donc ultra doux, c'est la gamme délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour les cheveux délicats et sur les, c'est testé sur les cheveux avec un cuir chevelu, comment on dit, j'arrive pas à parler, sensible, voilà. Ah c'est doux et frais en même temps. C'est pas du tout l'odeur où je m'attendais à un truc un peu plus sucré, mais c'est pas sucré. Mais c'est super doux et super frais, donc j'ai hâte de tester aussi dans ma salle de bain. Donc pareil, j'aime bien quand il y a les deux combos. Et en plus de ça, ils sont super parce qu'ils nous ont envoyé aussi la douche soin, la crème d'avoine, donc pour le corps cette fois-ci. Je savais même pas qu'ils avaient fait les produits aussi pour le corps de cette gamme-là. Ah c'est marrant, c'est pas du tout le même style d'odeur. C'est doux, c'est encore plus doux et ça sent beaucoup moins. Ah, mais oui parce que là c'est à l'amande douce, non mais la fille... C'est crème d'avoine et amande douce, donc ça sent plus l'amande douce. Ça, j'adore l'odeur de l'amande. Donc ça, vous allez pouvoir les gagner sur Instagram et Facebook. Donc je vous mets toujours mon Instagram et mon Facebook en barre d'infos parce que vous allez pouvoir les gagner. Et j'ai même les produits pour vous, hein. Ne croyez pas, c'est moi qui vais vous les envoyer. Pour vous dire que je les ai aussi pour vous. Tous les produits que je vais vous présenter, je les ai en double. Comme ça, je vais pouvoir vous les faire gagner. Ah, attendez. Oh là là, le boulet. Il y a même le masque. Le masque baume hydratant pour les cheveux. Alors ça, je suis super contente. J'adore avoir tous les combos. Donc, il y a même le masque. C'est juste génial. Donc là, je vais vous faire une belle photo et vous mettre ça sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez le gagner. Vous aussi. Mais c'est juste génial. C'est juste génial. Merci à Garnier parce que vraiment, ils sont super sympas de vous proposer d'en gagner, de m'en envoyer, mais d'envoyer vraiment toute la gamme cheveux et corps. Là, vous êtes refait en Garnier. Sachant que c'est vraiment une gamme Garnier, moi, pour les cheveux que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai aussi à tester et du coup à vous faire gagner des produits pour le visage. Si j'en oublie pas, de chez Garnier, il y a aussi les nouveautés au niveau du visage et ça, j'avais hâte de les tester. Vous avez le gel nettoyant micellaire tout en un qui nettoie et démaquille, qui apaise, mais il faut le rincer bien sûr. Donc ça, c'est pour tout le visage, ça, j'ai hâte de le tester. Je pense que je vous ferai une vidéo crash test si ça vous dit. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et vous avez après la lotion purifiante et douceur, donc pour les peaux sensibles à l'imperfection. Et là, c'est pour les peaux sensibles. Donc pareil, ça sera à gagner. Toujours de la pure active sensitive la gamme. Donc là, c'est un hydratant... Alors celui-ci, c'est un hydratant apaisant, anti-imperfection. Donc réduit les marques et les boutons. Ah ça, j'ai des petites imperfections ici, là, des petites taches de sécheresse. Des petites zones de sécheresse. Donc j'ai hâte aussi de tester pour voir ce que ça fait. Non comédogène et hypoallergénique. Donc c'est une petite crème de je sais pas combien de millilitres, tiens. 50 ml. Donc ça pareil, je les ai en double pour vous les faire gagner. C'est juste dingue. Ils sont super sympas de les envoyer directement en double. Et je vais tester donc hydratant pour les imperfections aussi. Et là un gel crème purifiant sans savon, nettoie, purifie en douceur et apaise. Je peux vous dire que là, avec tous ces produits-là, je suis refaite en Garnier. Je peux utiliser Garnier sur mon corps, sur mes cheveux et tout sur mon visage. Tout Garnier, quoi. Sachant que c'est des produits de grande surface qui coûtent vraiment pas très cher. Moi, les shampoings, je les achète tout le temps. Et là, je suis ravie. Donc, je vais vous faire gagner ça aussi sur les réseaux sociaux. Donc, allez checker ça. Je les ai en double. Je vous les montre pas, mais je les ai en double. Et pour finir, de la marque, je pense que c'est la marque Maybelline cette fois-ci. Donc j'ai reçu ça dans un petit pochon comme ceci. Hop. Alors, voyons voir ce qu'on a d'intéressant de la marque Maybelline. Alors, c'est les mêmes. Hein. Il y en a une pour vous et une pour moi. Donc je pense que je vous ferai une vidéo rouge à lèvres aussi à ce niveau-là. Donc c'est la Lip Contour Palette. Ça, j'avais envie de tester parce que ça m'intriguait. C'est vraiment une contour. Une palette pour le rouge à lèvres, on va dire. Et j'avais envie de tester parce que du coup vous avez un primer, vous avez donc alors je vous montre, là vous avez un primer, là vous avez pour faire le contour des lèvres, là c'est la couleur à mettre
Et après, vous avez un peu le highlight pour mettre ici. Donc, c'est juste génial. Vous avez vraiment tout dans la même palette. Je trouve que c'est une super idée. J'ai hâte de tester. D'ailleurs, les couleurs, elles sont magnifiques. Donc, j'ai hâte de tester. Et pareil, je vous en reparlerai dans une vidéo. D'ailleurs, je dois recevoir aussi de la même marque une autre palette. Je pense que c'est Contouring. Je sais plus exactement. Mais je vous rajouterai soit à la fin de cette vidéo ou dans une autre vidéo si je l'ai reçue entre temps, puisque c'est aussi dans ma boîte aux lettres que je vais la recevoir. Donc ça, je suis contente, il y en a une pour vous, une pour moi. Donc je remercie encore le site Influent for Brands pour tout ça, parce que il y a de quoi tester pour moi, mais il y a surtout de quoi tester pour vous. Je pense que j'ai fait le tour dans mes colis, sauf un énorme colis que j'ai reçu là-dedans. Je sais pas si vous voyez l'énorme sac. Alors je l'ai enlevé bien sûr, ma fille a joué avec. C'était un coursier donc de Paris qui est venu me ramener ça. Et c'est juste un truc de fou. Un truc de fou. Quand j'ai reçu ça, j'étais genre, mais quand j'ai vu que c'était ça, je me suis dit, oh, c'est trop dingue. Donc, je vous montre la bête. Touhou. Regardez-moi ça avec mon prénom dessus. Hein. C'est la classe quand même. Donc de chez Dove, alors c'est la marque, c'est Leclerc en fait qui m'a envoyé ça généreusement par courrier associé à Dove, donc avec le site Jolinou. Vous savez, c'est le site un peu ambassadrice beauté Leclerc, etc. Et donc ils ont voulu me faire un cadeau, un énorme cadeau, et du coup je ne savais pas ce que c'était. Et ce matin le coursier est venu et m'a ramené ça, et j'étais super 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 gênée, mais super 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 contente. J'avais vu dans quelques vidéos de grandes youtubeuses et je m'étais dit, oh c'est super mignon et tout, Dove, ce qu'ils ont fait pour leur nouvelle collection. Et voilà, je suis super contente. Donc voilà, je suis une vraie gamine et ma fille a fait que de jouer avec. Elle a pas trop abîmé, ça va, mais elle a kiffé aussi. Donc voici, vous avez les 4 nouveaux gel douce qui vont sortir de chez Dove. Et d'ailleurs on les a sentis avec ma fille. Moi j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour celui à la noisette, parce que vous avez celui à la menthe ici. Alors attendez, je vais vous les montrer. La menthe givrée, celui-ci, qui ma foi est vraiment frais, mais je pense qu'il est un peu plus masculin. Vous avez celui au sorbet cassis qui est très doux. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé celui noisette. Donc c'est un peu sorbet noisette. Hein. Ça sentait super bon, super bon, super bon. Et j'ai bien aimé, alors j'ai hâte de les tester sous la douche aussi pour m'en rendre compte, mais celui à la pistache. Oh, il sentait trop bon, mais j'avais vraiment l'impression de manger de la pistache. Donc gros coup de cœur voilà pour ça. Vous imaginez bien, c'est trop girly, c'est trop mignon. Avec la boîte, le fait qu'il y ait mon prénom, etc. C'est vraiment le cadeau ultime que je m'attendais pas du tout à recevoir. Je vais le poser parce qu'avant de faire une catastrophe. Voilà. Et du coup j'ai eu avec un sac, bien sûr ça rentrait pas dedans, hein, mais le sac de la marque Leclerc avec Jolinou. Donc ça, je suis super contente. Merci à Leclerc, merci à Dove pour ce cadeau inattendu, juste dingue cette boîte aux lettres. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais là c'est vraiment une boîte aux lettres de fou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, comme toujours, dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut, salut.